Bonjour Eugène. Voilà, merci. Coucou Donc, Eugène. moi, principalement, mes actions sont tournées vers l'école, l'éducation formelle, même si de temps en temps, j'interagis beaucoup avec Joseph et Tchoumban, parce que nous avons tous des connexions, des relations, nous servons les mêmes cibles, les enfants. Donc, moi, au niveau de l'éducation, c'est pratique principalement deux sous-secteurs, qui est la petite enfance et l'élémentaire. Parce que tout ce qui est collège et lycée, ils sont assez grands. Maintenant, nous, en tant qu'organisation, on n'intervient pas énormément directement pour ce niveau. Parce que nous trouvons qu'ils sont assez autonomes, ils peuvent s'en sortir. Donc, nous visons principalement les enfants de 0 à 11 ans, 12 ans. Donc, et ce que nous recherchons, c'est surtout améliorer la capacité des enfants à lire et à comprendre. Donc, d'où la mise en place de deux modèles de projet. Pour la petite enfance, nous avons le Learning Routes, mais que nous ne nous développons pas à 100%, mais nous nous assurons d'offrir les structures adaptées aux enfants de 3 à 5 ans. Et à partir de cette année, il y a la prise en charge des enfants de 2 ans, parce que l'État est en train de réorganiser encore, surtout pour la partie nutrition et suivi sanitaire, toutes les vaccinations. L'État commence vraiment à demander à tous ses partenaires de travailler à prendre en charge ce groupe d'enfants. Et grâce au PNS et au fonds des particuliers, comme l'a dit tout à l'heure Déborah, ou je ne sais plus qui, ça nous a permis vraiment de soutenir ce sous-secteur. Nous avons construit énormément de structures équipées et même soutenu l'État avec le déficit d'enseignants pour la prise en charge de ces enfants. Et cela aide aussi ces enfants, quand ils arrivent au primaire, d'être plus à l'aise en matière de lecture, parce qu'ils souffrent moins que les autres qui n'ont pas fait 3 ans dans les structures du préscolaire. Donc, au niveau de l'élémentaire, nous avons le modèle de projet Unlock Literacy, qui vraiment vise à améliorer la capacité des enfants à lire et à comprendre avant la troisième année du primaire. Donc, dès qu'ils quittent la troisième année du primaire, normalement, ils doivent pouvoir lire de façon autonome et à comprendre. Et c'est cela notre combat. Et nous travaillons énormément avec la communauté, les parents, les volontaires communautaires et un tout petit peu avec les enseignants. Parce que les enseignants, ils sont sur la partie école avec l'amélioration de la pédagogie, de l'enseignement de la lecture. Et cela, on le faisait en coordination avec les inspecteurs de l'éducation et de la formation, qui sont les véritables techniciens du domaine. Maintenant, de l'autre côté, avec les communautés, nous avons mis en place les clubs de lecture où les enfants s'adonnent chaque semaine à de la lecture avec le coaching d'un membre de la communauté. Mais avec la COVID, on a eu énormément de soucis parce que les écoles étaient fermées l'année dernière. Et même s'ils ont été réouvertes au mois de juin, mais c'est juste pour les élèves de classe d'examen. Mais nous avons continué à travailler, à mettre en place tout le système de lutte et de protection contre la COVID, en équipant les écoles en lave-mains et en matériel de détergent et tout, mais aussi s'assurer qu'il y a de l'eau en permanence dans les écoles. Et cela, je rejoins Joseph et les autres acteurs des autres secteurs qui nous ont permis de réaliser tout cela. Et nous avons aussi continué à accompagner tous les services de l'État qui s'occupent de l'éducation, parce que c'est le secteur où on regroupe le plus de personnes au Sénégal, l'école. C'est des millions d'enfants. Et c'est très difficile parce que c'est souvent les enfants, ils contractent le virus, mais ils ne sont pas malades et ils le propagent un peu partout. Et quand même, au Sénégal, bon, même si le test n'est pas systématique pour ces enfants, c'est là où il y a le moins de cas aussi. Donc, les gens sont un peu sceptiques. Et quand on regarde le nombre d'enseignants infectés, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on se dit que ce que nous avons mis en place a produit quelque chose. Donc, là, les enfants peuvent continuer à apprendre, même si le contexte change un tout petit peu. Là, cela aussi a un impact sur mon travail au quotidien parce que je dois me réadapter, me réajuster pour pouvoir répondre aux besoins de ces enfants. Donc, tout ce que nous faisions habituellement avec un certain nombre d'enfants, il faut le diviser par deux ou trois pour pouvoir répondre aux enfants. Donc, là, je suis en train de travailler spécifiquement à reformer tous les animateurs des clubs de lecture sur les gestes barrières, comment se protéger de la COVID, comment aider les enfants aussi à se protéger, mais aussi comment refaire l'animation des clubs de lecture dans ce contexte. Et ça, c'est un travail vraiment préliminaire qui m'a pris pratiquement tout un mois à mettre en place tous les préalables pour pouvoir mettre en œuvre cela. Mais les clubs ont déjà démarré depuis le début janvier. Et donc là, au lieu d'avoir maintenant deux animateurs par club, nous aurons un groupe d'enfants géré par un animateur, maximum 25 enfants.
Ils seront obligés de faire chacun deux séances par semaine, ce qui fait qu'on pourra toucher tous les enfants ciblés. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup de choses et aussi, parce que là, quand on fait cela, il faut faire appel aussi à la protection de l'enfant pour que les gens puissent comprendre que ce sont des droits non négociables pour chaque enfant d'étudier et d'être accompagné. Et aussi, nous allons nous maintenons la communication intense en termes de protection contre la COVID, mais aussi l'école doit continuer, les enfants doivent continuer à apprendre. Parce que les systèmes, les nouvelles technologies, nous sommes très, très en retard, nous ne pouvons pas. On a essayé l'année dernière avec l'école à travers la radio, mais ça n'a pas fait un grand impact pour les enfants de nos communautés. C'était très difficile. Et quand j'ai interrogé beaucoup d'enfants, ils me disaient, ce qui les manquait, c'est de retourner à l'école. Il faut le coup de coude parce qu'ils n'en pouvaient plus de rester à la maison, à tourner en rond. C'était très difficile pour eux. Et c'est le seul cadre où ils peuvent s'épanouir et apprendre plein de choses. Donc, au quotidien, c'est ce que je fais en interaction avec tous les autres collègues de CAFRIN. Et donc, et au niveau de Diamagadi, je suis spécifiquement le parrainage. Chacun de nous gère un AP, spécifiquement le parrainage, la communication, tout ce qui va avec. Et voilà, donc, c'est au quotidien ce que je fais à travers l'éducation pour vraiment améliorer le niveau de lecture des enfants. Mais l'année dernière, quand même, on a eu énormément de problèmes pour pouvoir réaliser tout ce que nous avons voulu en termes de unlock literacy. Voilà, merci. Merci beaucoup Eugène, c'était super, très clair, très précis. Les filles, n'hésitez pas si vous avez des questions. S'il n'y a pas de questions, moi je vais poser une question. Eugène, tout à l'heure, tu as dit qu'on soutenait aussi l'État, en tout cas quand il y avait un manque d'instituteurs. Comment on fait ça? C'est, on recrute nous des instituteurs ou comment ça se passe? Ou vous êtes en relation avec l'inspection académique? Voilà, nous avons mis, comme on l'a fait avec les animateurs des clubs de lecture, donc nous avons eu la même stratégie, mais bien avant même l'avènement de Unlock Literacy. Donc on avait cette stratégie où on motivait un moniteur communautaire qui avait, d'ailleurs ceux qui sont actuellement là, ils ont au moins le bac, où ils ont fait plus de 5 ans dans ces activités d'animation des classes des tout-petits. Et donc ils font office d'enseignants, moyennant une petite motivation à travers l'union des comités de gestion. Et puis, ils soutiennent un tout petit peu ça pour qu'ils restent pendant 7-8 mois à dispenser les cours. Et ils sont formés aussi, les inspecteurs viennent les suivre et beaucoup ont passé cette année leur diplôme de professionnel. Ils ne sont pas encore institués et il y a déjà une qui est en formation à l'heure actuelle et qui est intégrée par l'État. L'État aussi puise dans ses viviers et les intègre comme fonctionnaires. Donc, OK. ça permet de régler en même temps au niveau communautaire, mais aussi à aider aussi l'État à subvenir aux besoins d'enseignants. Voilà. Et je crois, Eugène, que la problématique est surtout sur les classes des tout-petits et pas tant dans les écoles primaires, c'est vraiment au niveau des tout-petits, hein, c'est Oui, bien ça. c'est au niveau des tout petits, tout simplement. C'est le sous-secteur qui souffre le plus au niveau de la région de Kaffrine, parce que l'État du Sénégal visait d'ici 2020, c'était 2020, c'était entre 2012 et 2020, de toucher 50% des enfants de 3 à 5 ans qui doivent passer par exemple une structure du préscolaire. Mais là, on est très, très en retard. Kaffrine tourne autour de 5,8%. Donc, c'est très, très faible. Très, très faible. Mais quand même, nous avons fait beaucoup de progrès. Quand vous prenez Diokoul et Mabo, Diokoul, nous sommes à 6 structures en moins de 10 ans. Mabo aussi, 3, 2, 5, 7 en moins de 10 ans. C'est un énorme bond. C'est ça, il faut rappeler que quand vous êtes arrivé, il n'y avait aucune structure préscolaire, donc c'est beaucoup de Oui. progrès quand même. Énormément de progrès parce que c'est tout un service, un paquet qu'on offre à ces enfants. Et quand ils quittent, après 5 ans, quand ils ont 6 ans, ils vont au primaire, ils sont plus autonomes. Et c'est les enfants qui vont tranquillement à l'école sans énormément de problèmes. Il suffit juste qu'il y ait un enseignant et le reste, le tour est joué. Ils continuent. Et ça améliore la capacité des enfants à lire parce qu'ils sont déjà prêts pour le cycle fondamental qui est l'élémentaire.